Pas facile de convaincre Frédéric Mattei d'entrer dans la lumière. Elle qui a passé sa jeunesse dans l'ombre de figures familiales légendaires et son âge adulte dans l'ombre de quelques puissants de ce monde. Et puis elle a fini par dire oui et le charme a opéré, avec ou sans filtre. Je vous en prie, Frédéric Mattei, bienvenue dans votre vie. Oh là là, ce que c'est émouvant. Alors, on va retracer votre vie. Vous connaissez l'émission, hein, à travers les photos marquantes. Et là, c'est bien avant vous. Hein. C'est toute la galerie de personnages de votre famille. On va les regarder un. Venez, on va commencer là. C'est une petite partie, parce que j'ai eu la chance d'être entourée par beaucoup de monde, et beaucoup de monde formidable, et des gens qui ont beaucoup compté. Mon père. Mon père, à la basse et au micro. Et on peut lire Les Autres, c'était le nom de son groupe de rock. Et l'été, ils allaient jouer dans des tas de villages, dans des fêtes. Mais ils ont fait aussi des premières parties de Paul Narev. Ah ouais. Oui. Comme ils étaient bons, hein. De stars de l'époque, ils étaient très bons. Des Ajacciens, hein, vraiment. Hein. Des Ajacciens. Ouais. Alors, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est Jean-Félix Farouche à côté. Le père de Frédéric. Frédéric Farouche qui est venu ici, hein, d'ailleurs. Oui, qui est cinéaste, oui, absolument. Oui. Et les autres, alors, pourquoi les autres? Eh bien, parce qu'il y avait les Beatles et les autres. Voilà. Aussi simplement de façon très modeste, les Beatles et les autres. C'était assez évident. Votre père, comment... Quel homme c'est? Le meilleur des hommes. Tout simplement aussi. Oui. Ouais. Ouais. Non, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de joyeux, de très droit, quelqu'un qui a des principes, mais qui, à côté de ça, a de la fantaisie. Et cet homme idéal, un jour, il rencontre... La femme idéale. On se rapproche un petit peu, venez, on va la regarder de près. La femme idéale. Votre maman. Ma maman, ma mère, Marie. Marie-Étienne. Marie-Étienne, ouais. Marie-Étienne Cutoli. Marie-Étienne, on a une sorte de tradition dans la famille, qui n'a peut-être pas été écrite, mais en tous les cas qu'on constate, les femmes ont des prénoms masculins. Ouais. Joseph, ma grand-mère, ma mère Marie-Étienne, ma tante Madeleine-Édouard, ma cousine Germaine, qui, comme ma sœur, s'appelle Marie-Antoine, et je m'appelle Frédéric. Voilà. Donc, c'est, oui, on va dire, une sorte de tradition. Complètement. Peut-être qu'on a voulu nous intimer comme ça, de façon subtile, l'idée d'exister, de s'imposer, de je ne sais pas. De temps à autre, avoir un comportement un petit peu... On va dire, aller peut-être une sorte de vertu ou de caractéristiques, plus que des vertus, oui. Des caractéristiques masculines, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'indépendance, peut-être. Peut-être aussi. L'indépendance. Ouais. Votre maman, c'est surtout un caractère. Oui. C'est une femme d'une grande beauté, délicate, féminine, et qui cache une force, et une force tranquille même, assez inouïe. Mmh. Ouais. Mmh. C'est un roc. Mais oui. La famille Cutoli, parce que la famille de votre maman, c'est Cutoli, il y a lui, venez, son papa, qu'on va découvrir. Oui, mon grand-père. Votre grand-père, Antoine. Mon grand-père Antoine, ouais. Que je n'ai pas connu, mais il a toujours été là. Ouais. Il a toujours été là. C'était une très forte personnalité. Mais il est parti de rien, lui. Hein. Il est parti de rien, il est parti très jeune. Et il est parti travailler chez son oncle à Tanger, au casino de Tanger. Et là-bas, oui. Parce qu'il est dégourdi, j'imagine, y a quelqu'un qui le remarque, en fait. Oui, il est remarqué par un monsieur qui s'appelait Monsieur André, ouais. Qui, lui, est une légende, puisque c'est le fondateur des casinos barrières. C'était le propriétaire et fondateur des casinos barrières. Et donc, il remarque mon grand-père, il remarque son talent, et il l'emmène avec lui. Et donc, mon grand-père fera toute sa carrière à ses côtés. Dans les casinos de Deauville, notamment. Voilà, il sera directeur du Palm Beach de Cannes, du casino de Deauville.
Ensuite, le casino d'Ajaccio avec son frère et d'autres actionnaires. Et vous l'avez dit, vous n'allez pas trop le connaître. Lui, je en ne revanche, vais pas le connaître. Quelqu'un que vous allez connaître, on va y aller, c'est elle. Parce que vos parents ont une petite vingtaine d'années quand vous naissez. Oui. C'est très émouvant. C'est très émouvant parce qu'elle elle nous a quittés il y a 3 mois. Et vos parents repartent faire leurs études juste après la naissance ? Juste après ma naissance, oui. Ils repartent en fac, oui. Et donc je resterai avec ma grand-mère. Ma grand-mère, sa mère et sa sœur, à peu près les 7 premières années de ma vie. Mais il y a d'autres personnalités qui vont gravir autour de vous tout au long de votre jeunesse. Et on va aller là, si vous le voulez bien, Frédéric. Il y a lui. Oui, Jean-Charles. Jean-Charles Cutoli, dit parrain. Il est mon parrain. Luc de baroudeur, lui aussi. Hein. Un baroudeur avec une caméra à la main. Quand il rentrait, votre parrain, il avait toujours un petit geste pour vous. Qu'est-ce qu'il ramenait ? Entre autres, à une petite fille, on lui offre des bijoux, on lui offre des perles, on lui offre des petits objets comme ça. Et je pense que ça a été peut-être le premier à planter la graine de ce qui plus tard deviendra une passion pour moi. Allez, on continue cette galerie de personnages. Très émouvant aussi. Ouais. Bah oui. Très, très, très émouvant. Ma tante m'a dit, Madeleine Édouard, m'a dit, et son époux, Xavier, mon oncle. Mon oncle n'est plus avec nous depuis de nombreuses années maintenant, une trentaine d'années. C'était un baroudeur, c'était une très très forte personnalité, c'était quelqu'un qui parlait plusieurs langues, qui pilotait des avions, qui montait à cheval, qui naviguait, qui avait une conscience politique très forte, avec lequel j'ai aussi beaucoup parlé. J'avais 20 ans quand il est parti, ça a été un énorme traumatisme, et il est toujours là. Et ma tante, qui était aussi aux Beaux-Arts avec ma mère à l'époque, elle était en archi, qui aujourd'hui est architecte paysagiste, avait une passion qui était, comme on le voit magnifiquement sur la photo, les perles et les bijoux aussi, les bijoux anciens, les perles venant de contrées divers et variés. Ils voyageaient beaucoup quand ils avaient un établissement qui s'appelait le Palm Beach sur la route des Sanguinaires. Et quand l'établissement était fermé l'hiver, ils partaient en voyage un mois ou deux, donc en Inde, au Pérou. De là-bas, elle ramenait des perles magnifiques. D'ailleurs, je crois qu'elle fournissait toute la famille. Toute la famille mettait les colliers de Madi. Et y compris son époux, puisqu'on voit quand même qu'il porte un collier avec, je vois, de l'ambre. Je me souviens de ce collier qui était très beau. On va terminer. Last but not least. Hein. La célébrité de la famille. Et pas des moindres. Alors, je vous avouerai que je ne m'attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas du tout à voir celle que la France connaît sous le nom de Tati Daniel, puisque c'est Baptistine. Qui a inspiré le film ? Baptistine Minicone, oui, absolument, qui était la sœur de ma grand-mère paternelle. Et en fait, c'est votre parrain, un jour, qui dit, moi, j'imagine qu'à Châtillier, qui veut faire un film là-dessus, non ? Et qui dit, moi, j'ai peut-être la personne qui peut vous faire penser à ça ? Ça Alors, marche comme ça ? Je ne pense pas que ce soit parti de cette façon-là. Je pense plutôt que Jean-Charles, avec sa caméra à la place de l'œil, a observé pendant quelques années la personnalité haute en couleur de ma grand-tante, Et la façon dont elle s'insérait dans la famille et tous les rebondissements et tout ce qui se passait. Et donc, il devait prendre des notes ou pas et, en tous les cas, raconter tout ça. Donc, c'est plutôt Florence Quentin, un jour, qui a dit « Mais moi, j'ai un sujet absolument magnifique d'une vieille dame avec une personnalité terrible. » Alors,
Ils en ont fait une vieille dame très méchante, ce qui n'était pas le cas de ma grand-tante. Pour les besoins du cinéma, en fait, on a grossi des traits, on l'a un mais peu on modifié. Sait quand même, c'est quand même la, celle qui a vraiment inspiré, en tout cas, totalement. Quentin, totalement. Effectivement, c'est la scénariste du film, hein, effectivement, elle s'inspire. Elle la connaissait, d'ailleurs. Voilà, exactement. Elle la connaissait. Et d'ailleurs, à tel point qu'elle est citée au générique, d'ailleurs, votre Elle est citée à la fin du générique. Film qu'elle ne verra pas, parce qu'elle meurt juste avant, Très peu de temps avant. Alors elle qui était une célébrité dans le quartier, parce qu'il faut dire aussi qu'avec ce look et tout, elle était connue quand même, elle n'a pas connu sa célébrité nationale, c'est un petit peu elle dommage. Elle n'a pas connu sa célébrité. Eh bien, avec cette galerie de personnages que vous avez en vous dès la petite enfance, on va voir ce que vous, ça va donner, Frédéric. On va le voir là-bas. Allez, venez avec moi. Avec joie. Prenez place, Frédéric. Et avant de commencer, les photos qu'il y a sur cette table basse, on va regarder la photo qu'il y a derrière, là. C'est Frédéric. C'est marqué dessus. Aucun doute. Aucun doute. Vous êtes toute petite et vous êtes seule, surtout, Frédéric. Et vous êtes vraiment seule, petite ou pas, parce que vos parents sont repartis faire leurs études sur le continent. Vous êtes avec les trois grâces, certes, mais quand même, fille unique et toute seule, comment vous le vivez, ça? De façon moins dramatique que... Que je le présente? Que vous le présentez, oui. Ah oui, oui, vraiment? Tout de même, tout de même. Non, je suis fille unique. J'ai toujours rêvé d'avoir des frères et sœurs. Mais je pense que c'était tout de même une petite fille très joyeuse. Et puis avec des modèles aussi. Avec des modèles... Oui. Comme elle, par exemple. Allez-y, appuyez, je vous en prie. Des mains belles encore déformées, les doigts nus, comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ceux qui pour quelques sous rachètent pour les vendre, les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissant, enlacés ont rêvé à s'attendre. Les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Vous connaissez par cœur Barbara? Je connais Barbara par cœur. C'est pas fondamentalement gay non plus, Barbara. C'est la vie. Quoi qu'il en soit, quand arrive le bac, c'est pas vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. Vous êtes une bonne petite fille un peu obéissante, dites-moi si je me trompe. Un peu. Et on vous dit, ben voilà quoi, ici, là, derrière moi. Alors, on ne me le dit pas comme ça, parce que... On ne me le dit pas comme ça, mais j'ai pensé de façon... ou j'ai vécu plutôt inconsciemment la nécessité de faire des études sérieuses. Et là, je me suis dirigée vers le droit. Je n'ai d'ailleurs absolument pas brillé dans mes études à l'université. Ce n'était vraiment pas fait pour moi. J'ai passé quelques années à Aix-en-Provence. J'étais pas faite pour la fac, pas du tout. Ouais, la photo le montre un petit peu quand même. Hein. Alors là, je suis déjà à Paris. J'ai pas une photo. Moi, je pensais que c'était la fac à Aix, là, avec la cigarette et les bijoux de Maddy, d'ailleurs, et les pieds sur la table. Exactement. Non, là, je suis à Paris, et donc je suis dans une école de relations internationales et relations internationales, analyse de conflits, donc vraiment des sujets qui là me passionnent, et je suis cadrée, et donc ça se passe formidablement bien, et donc j'étudie pendant 4 ans et non pas 5, puisque j'avais une équivalence avec la fac juste avant. Et mes études se passent très bien, je suis entourée d'étudiants comme moi qui viennent du monde entier, donc c'était absolument formidable. Après ces études à l'Institut international, effectivement, on vous retrouve ici. Dans ce sens-là, plutôt. Ah oui. Entreprise Géodis. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? Qu'est-ce que c'est Géodis? Alors Géodis, c'est très connu, hein, c'est une entreprise de transport et moi je faisais partie de... je travaillais donc avec ce monsieur qui est là, qui était mon premier patron et qui dirigeait Géodis International et une partie de Géodis International qui s'occupait de transport de... stratégique. Donc de troupes, d'armement pour l'ONU, pour l'OTAN et puis des transports un peu... Plus stratégique encore. Oui, voilà. Voilà. Et donc, j'y suis restée une année. Ouais. J'avais fait mes stages de fin d'études à l'ambassade de France au Cameroun. Et ils avaient des contrats au Cameroun, tout ça. Donc, pour moi, c'était... j'approfondissais un petit peu mes connaissances africaines. Et donc, je suis restée une année chez Géodis International. Et puis d'ailleurs avec l'Afrique, vous allez avoir d'autres relations, notamment à travers des ONG. Oui. Un parcours vraiment atypique qu'on va retrouver en 1998. Avec lui. Avec lui, oui. William Carrel, réalisateur. Valéry Giscard d'Estaing. Alexandre Adler. C'était mon travail pendant quelques années. J'étais à la Commission européenne et donc on m'a proposé de rencontrer le président qui avait besoin de renouveler un petit peu ses troupes et qui cherchait quelqu'un qui puisse s'occuper de sa communication et ses relations de presse. Pendant 4 ans, ça va durer. Oui, ça va durer 4 ans avec lui. Oui. Juste 2 mots sur VGE. La postérité n'est pas très grand, sympa avec grand lui. Grand homme. Ouais. 2 mots, ouais. Grand homme. Grand homme. Tout le monde a coutume de dire que c'était une grande intelligence, c'est évident. C'était beaucoup d'humour. C'était un homme politique. Voilà. Donc avec le sens de la nation, le sens du devoir, de l'intérêt général, une vision. Et c'était un humaniste, c'était quelqu'un qui avait le souci de ses administrés, du peuple, de l'État. Ça a été vraiment formidable de travailler à ses côtés. Oui. Et en 2002, justement, il rejoint une commission. Hein, il repart à Bruxelles, je crois. Il rejoint une commission parlementaire. Il est nommé par Chirac à la tête de la Convention européenne, voilà. Qui était chargée de rédiger l'avenir, constitution pour européenne. L'avenir de l'Europe, ouais. Exactement. Ouais. Et vous... Du coup, vous vous retrouvez seul et vous travaillez seul. Vous montez Frédéric Mattei Conseil. Eh oui. Hein, c'est-à-dire que ce que vous avez fait pour le président, vous proposez vos services à qui il veut, en tout cas, en donnant des conseils en communication. Oui. Ça commence comme ça. Et puis, en 2003, j'ai matérialisé comme ceci. Oh. En 2003, on peut l'appeler une année terrible. Parce que coup sur coup, vous perdez votre grand-père, vous perdez votre grande-tante, votre arrière-grand-mère. Et mon amoureux. Et votre amoureux. Mm. C'est une année terrible 2003, en fait. C'est un été terrible. Tout s'est passé pendant l'été. En quelques mois. Oui. Oui, oui. Oui. Jean-François, Mathias, Jean-François était un... quelqu'un d'une immense bonté, d'une grande intelligence, beaucoup d'humour. Voilà, qui est parti dramatiquement. Beaucoup trop tôt. Dramatiquement, ouais. Effectivement. Et ça joue sur ce que vous êtes. Et justement, quelques temps après, on vous retrouve ici. Pour vous changer les idées, vous êtes avec une copine, vous allez en Israël. Faire peut-être documentaire. Vous posez beaucoup de questions à ce moment-là, en fait, Frédéric. Je me pose beaucoup de questions. Ouais. Et là, je suis en Cisjordanie, en fait. Je suis allée dans les territoires occupés, en passant par la Jordanie, avec des taxis. Enfin, c'était tout un périple. Et avec une amie qui a longtemps travaillé avec mon parrain dans le cinéma. Et elle était mariée avec un Palestinien, un journaliste. Et on avait écrit un documentaire sur la création dans les camps de réfugiés palestiniens.
Et on avait une production qui nous suivait, et puis bon, voilà, c'était... Et j'ai envie de dire, la deuxième couche, peut-être, c'est que, quelques temps après cela, il y a encore un deuil qui vous frappe très, très fort. Et là, justement, c'est une vraie cassure dans votre vie, et j'ai envie de dire, il va falloir passer à autre chose. Et cette autre chose, on ne va pas en parler là, si vous le voulez bien, Frédéric. On en parle là-bas. On y va. Allez, venez avec moi. Et donc, il va y avoir deux rencontres déterminantes à ce moment-là dans votre vie, quelques temps après en tout cas. Oh! Oui. Sophie et Eric. Exactement. Sophie, que je connaissais déjà depuis très très longtemps, qui s'appelle Sophie de Quinclin, et qui porte des bijoux merveilleux, et qui sont ce gros collier donc, qu'elle a créé, et qui est une amie de ma tante. Et Sophie qui m'a... encouragée en me disant mais vous faites des bijoux pour vous mais il faut les montrer, allez-y, jetez-vous à l'eau et voilà. Et à gauche Eric qui est mon mari et qui est qui ne l'est pas encore quand il vous rencontre. Non, hein. Qui ne l'est pas encore. Non, quand il vous rencontre encore. Justement, il a déjà cette approche, il vous aide déjà. Oui, vous beaucoup. Vous n'êtes pas dans un état d'esprit formidable quand vous le rencontrez, Eric. C'est quelqu'un qui vous... Oui, il y a des changements dans ma vie, des changements professionnels. J'en ai vraiment marre de prodiguer des conseils. Mmh. J'ai vraiment envie de changer de vie professionnelle. Et je rencontre Eric. Et oui, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui est bourré de défauts. Mais qui n'est pas égoïste. Hein. Non, c'est un être vraiment formidable. Et il a été là pour moi, il m'a entendue et il m'a surtout suggéré de montrer ce que je savais faire et ce que j'aimais faire, surtout ce que j'aimais faire. Donc c'était la création, donc à la fois les bijoux, mais aussi les sculptures, les dessins et... Et donc, il m'a mise au défi et il m'a dit, voilà, dans 6 mois, tu fais une exposition et tu montres ton travail. Ah oui. Justement, toutes vos perles que vous avez emmagasinées hein, depuis, il y a les perles de Maddy, bien sûr, de Jean-Charles, votre parrain, et vous vous mettez à enfiler les perles. J'enfile les perles. De façon frénétique. Oui, je vois qu'il y a mes petites sculptures aussi au fond, je vois un dessin... et puis toutes ces perles. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que mon travail consistait à aborder la notion du lien ou de la reliance, comme dit Edgar Morin, en fait, de mettre ensemble des éléments qui forment un nouveau tout. Alors, on le dit de la connaissance, mais on peut aussi le dire de la beauté ou de l'harmonie. Et dans l'art, donc mon travail tourne vraiment autour de cette notion du lien. Et ça a donné ça. Et ça a marché. Oui, voilà. Première exposition, toute première exposition où j'avais demandé à une merveilleuse amie d'être mon mannequin, donc j'avais fait cette photo. Magnifique. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on est exposé justement? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une légitimité qui est... Ah non, pas du tout, pas tout de suite en tous les cas. Je pense que j'aurais pu... partir me cacher bien loin. Ah bon ? Ah ouais. Oui. C'était vraiment presque impudique pour moi. Ça a été très difficile. Oui, ça a été très, très difficile. Oui. Ah. Oui, je trouve que c'est courageux. Ça demande... ça demande de se lancer, de ne pas avoir peur des critiques, de se dire qu'on va voir des visages qui désapprouvent ou qui ne trouvent pas ça extraordinaire, mais qu'on reste fidèle à ce que l'on a besoin de créer et d'exprimer.
je ne sais pas si c'est un coup de maître, mais assez rapidement, Mattei, on vous retrouve là. Oui. Et à du Londres. Coup, c'est Frédéric Mattei. Là, oui. Ouais. Mais ouais. Vraiment, ouais. Là, pour le coup, c'est une des super exposition, hein, PAD de Londres. Oui. Très fière. On voit avec cette photo. Ah, très heureuse. Très heureuse. Très heureuse. Très heureuse parce j'ai que là... J'ai du mal à y croire, d'ailleurs. Bah oui, parce moi, que... je suis... Parce que là, pour la première fois, vous allez voir des gens qui portent vos bijoux. Bah oui. Beaucoup. Qu'est-ce, oui. Ça, qu'est-ce que ça procure, ça, justement, comme sentiment, ça? Parce que là, il y a, effectivement, il y a s'exposer, puis après, voir les bijoux portés. C'est beaucoup de bonheur. Ouais. C'est beaucoup de bonheur, oui. Ouais, on a un sourire qui s'accroche sur le visage. Et puis, j'imagine que vous êtes très heureuse d'aller... en chercher les perles, parce que ouais. Assez rapidement, la collection que vous avez emmagasinée, ben, ça s'amenuise, hein, et il faut aller à la source chercher ces pierres, et c'est là qu'on vous retrouve. Oui, en l'occurrence, là, c'est en Inde, mais pas que. Et vous allez rechercher des pierres, alors, je ne sais pas si c'est inestimable, mais en fait, qui ont une vraie valeur, en tout cas. Ce sont souvent des perles qui étaient portées dans des tribus, ou qui étaient portées... pour des cérémonies. Et elles peuvent être très anciennes, donc ça peut démarrer néolithique et totalement contemporaine. Et donc sur un même lien, je vais mélanger des perles qui viennent du monde entier et de toutes les époques. Mais derrière ce visage radieux avec ses beaux colliers, il y a quand même quelque chose d'autre aussi. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu pour finir l'émission, Frédéric. C'est que si vous allez en Inde, c'est aussi pour autre chose. Parce que le fait d'avoir travaillé énormément, penché comme ceci sur vos perles, d'avoir travaillé plus de 12 heures par jour, ben ça a développé quelque chose chez vous, en fait. Une vraie souffrance. Vous voulez me faire dire que je souffre ? Eh oui. Eh bien non. Je ne le dirai pas. Non, ça a développé des problèmes de santé, des problèmes de posture, donc effectivement des douleurs. La posture, mais oui. Il y a eu quand même effectivement 5 ans d'errance thérapeutique pour vraiment déterminer ce que vous aviez. Vous souffriez très très fort. Effectivement, le fait d'aller en Inde, il y a des thérapies qui vous conviennent. Mais quand je vous ai appelé pour venir dans l'émission, vous m'aviez dit « si j'ai une troisième vie », ce sera pour ça, justement, pour parler de ça. Peut-être. Ouais. Oui. Je ne sais pas si l'heure est venue, mais... Je ne sais pas si l'heure est venue, mais c'est vrai que c'est un... Ça me tient à cœur, je pense, un jour ou l'autre, de parler de ce sujet-là. Donc, quand l'heure sera venue, vous en parlerez ? Quand l'heure sera venue, j'en parlerai, probablement. Bon. Eh bien, c'est la fin de l'émission. On va faire un petit selfie. Vous savez, il y a un petit geste. Il y a un petit geste pour finir l'émission, toujours. Bougez pas, je viens vers vous. Voilà. Vous souriez ? Et voilà. Merci infiniment, Frédéric. Merci, Luc. Merci. C'était un immense plaisir. Vous allez rester encore un petit peu sur Ajaccio avant de repartir sur Paris. Ah oui. Hein oui toujours, oui. Toujours, oui. Toujours. Jusqu'à la fin de la semaine. OK. Et pour mieux revenir. Eh bien, quand vous revenez, un petit texto et on se revoit. Avec joie. Allez. Vous, c'est par là et moi, c'est par là, Frédéric.